Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 1 de Fortnite saison 4. Alors le premier défi que vous devrez faire, c'est de fouiller des coffres à Dirty Docks. Vous allez devoir en fouiller 7. Donc rendez-vous à Dirty Docks et fouillez des coffres. Le deuxième défi est de réussir des éliminations à Holy Edge. Donc vous allez devoir éliminer 3 ennemis pour valider ce défi. Donc rendez-vous à Holy Edge et faites 3 kills. Le troisième défi est de collecter les anneaux au-dessus de Misty Midown. Alors vous allez devoir collecter 4 anneaux, donc rendez-vous à Misty Midown comme moi dans le gameplay. Je vous conseille d'aller en foire d'empoigne, ce sera beaucoup plus facile de récupérer les anneaux. Ensuite vous récupérez les anneaux en suivant le même petit chemin que moi j'ai fait. Franchement c'est le plus rapide je trouve. Et quand vous aurez récupéré vos 4 anneaux, ben vous aurez terminé ce défi. Le quatrième défi est d'éliminer des robots Stark au site d'atterrissage de patrouille Kinjet. Alors ce que vous devez faire, c'est que quand vous lancez une partie, il y a 4 vaisseaux qui arrivent dans la map de Fortnite et en fait ils spawnent aléatoirement. Donc faut essayer de les suivre et vous pouvez les repérer parce que quand ils sont atterris, ils mettent une balise qui sort de la fumée bleue. Donc vous pouvez les repérer comme ça. Alors là ce que vous devez faire, c'est tout simplement les rejoindre et ensuite en tuer 5 pour valider votre défi. Donc petite astuce, quand vous ouvrez votre map, vous voyez l'emplacement des vaisseaux directement affichés sur la map. Donc si vous n'en trouvez pas, vous regardez sur votre carte et vous cherchez après un petit vaisseau blanc et ça indiquera leur position. Le cinquième défi est de faire le plein d'un véhicule à Lazy Lake. Donc tout simplement rendez-vous à Lazy Lake. Il y a quelques véhicules qui traînent à gauche et à droite. Prenez-en un et puis ensuite dirigez-vous vers la pompe à essence pour faire le plein. Alors pour mettre de l'essence, c'est très simple. Vous allez près de la pompe, vous appuyez sur carré ou sur la touche action. Ensuite vous dirigez le pistolet vers votre voiture et puis vous appuyez sur la touche pour tirer. Et ensuite vous pourrez mettre de l'essence en arrosant la voiture ou le camion ou peu importe le véhicule que vous utilisez. Le sixième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils à énergie Stark Industrie. Alors pour faire ce défi, vous allez devoir aller tuer les acolytes qui se trouvent aux patrouilles Kinjet. Alors les patrouilles Kinjet, vous pouvez les trouver grâce à la balise qui fait de la fumée bleue. Et vous pouvez aussi les repérer via la map parce qu'en fait c'est des spawns aléatoires. Et pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent si vous ne savez pas, vous regardez votre carte et vous cherchez après de petits vaisseaux blancs sur la map. Et là où il y a des vaisseaux blancs, c'est un site de patrouille Kinjet. Donc rendez-vous à cet emplacement, ensuite vous allez tuer les acolytes et là vous allez récupérer leur arme. Alors ensuite avec ce fusil à énergie, vous allez devoir faire 1000 de dégâts. Mais vous pouvez faire des dégâts aux adversaires et même aux acolytes qui se trouvent par exemple au fief de Fatalis. Ça fonctionne aussi. Le septième défi est d'éliminer le docteur Fatalis au fief de Fatalis. Alors il faut savoir que le docteur Fatalis peut spawn soit au domaine ou alors il peut spawn en dessous du terrain de foot près du coffre-fort. Alors ce que vous devez faire, c'est tout simplement le tuer 3 fois pour valider le défi et quand vous le tuez, vous pouvez récupérer ses pouvoirs. Donc ses pouvoirs sont assez cheatés je trouve et vous pouvez même faire un double saut. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à récupérer la carte du coffre pour aller ouvrir le coffre qui se trouve en dessous du terrain de foot. Comme ça, vous pourrez vous stuff à mort. Et le huitième et dernier défi est d'infliger des dégâts à des adversaires à Craggy Cliff. Et là, vous allez devoir infliger 500 points de dégâts pour valider ce défi. Donc rendez-vous à Craggy Cliff et infligez des dégâts. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 1, saison 4 de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.